selon eux, ils ont dit exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il faut préciser, c'est très important. Selon eux. Hein. Alors, mais dans toutes les versions, il y a deux versions qui retiennent beaucoup l'attention des gens et qui font polémique. Qui font polémique du moins. Je crois que c'est la version de M. Teliano et de M. Macanera. Je crois bien. Je crois bien. Parce que j'ai écouté M. Teliano qui donnait des explications. Et j'ai entendu aussi des journalistes qui ont donné des explications. J'ai aussi l'explication de M. Macanera, si je ne me trompe pas. J'ai aussi l'explication de M. Faya Milimono. Mais vous savez, nous sommes des hommes et des femmes doués d'intelligence. On n'a pas besoin qu'on nous parle beaucoup pour qu'on comprenne les choses. Parce que vous savez, dans la parole des hommes instruits, les hommes instruits, ils ont une manière de parler qui est très différente de celle que nous empruntons tous les jours. Il y a la parole des sages. Quand il y a un fait, de la manière dont un sage s'exprime et de la manière dont une personne lambda s'exprime, effectivement, c'est pas la même chose. Il y a aussi l'âge qui compte. L'intelligence aussi a sa place. Selon toutes les explications d'hier, de Faya Milimono, de Macanera, de M. Teliano, il y a une phrase qui attire moi mon attention. Ce que je dis n'engage que M. Kanté. Ce que je dis n'engage que M. Kanté. Il y a une phrase qui attire mon attention. Et à partir de cette phrase-là, nous pouvons comprendre le reste de ce qui a été dit, si vous êtes aussi du même avis que moi. Faye a dit qu'il a été dit qu'on ne va, on ne va pas accepter une autre pagaille. D'accord? Dans les explications de Faye, on entend cela. On ne va pas accepter une autre pagaille. Monsieur Teliano, il dit la même chose aussi dans ses explications, qu'il leur a été dit qu'on ne va pas accepter une autre pagaille. Vous comprenez? Et le ton qui a été utilisé pour sortir cette phrase, on ne va plus accepter ou bien on ne va pas accepter une autre pagaille, c'est un ton militaire. Et ceux qui sont allés hier, les acteurs politiques qui sont allés hier, ils savent que ils ont affaire avec des militaires. Les militaires, ce n'est pas des politiciens. Les militaires, ils ont leur manière de parler. Quand ils disent, ils ont utilisé un ton intimidant, moi je comprends. Vous aussi, vous devez comprendre. Le militaire, même s'il a 100 ans, il a une certaine manière de parler, de s'exprimer. Donc, si le ton était élevé hier, on ne va pas démentir cela. Nous qui avons vécu la transition de 2010, vous avez tous constaté la manière dont Dadis s'exprimait. Vous avez tous constaté la manière dont Sekouba s'exprimait aussi. Ce sont des militaires. Et les politiciens, ils doivent comprendre cela. Ça, c'est clair. Maintenant, la question est où? Est-ce qu'il a été dit effectivement que quiconque fait ça ou quiconque fait ceci ou quiconque fait cela, nous serons obligés ou bien nous allons où nous avons la capacité ou la possibilité de fermer le siège
le siège de ce dernier, c'est-à-dire le siège du parti politique de ce dernier, et nous avons aussi la possibilité de retirer le passeport de ce dernier. Cela a été dit. Je crois que s'il faut être objectif, intelligent, pour mieux comprendre les choses, moi, je peux affirmer, oui, je peux affirmer, oui. Parce que la question que le peuple doit se poser, c'est de savoir pourquoi les militaires ont convoqué les acteurs politiques dans un camp militaire. Pourquoi les militaires, ils ont convoqué les acteurs politiques dans les conditions normales qui ont affaire avec le président du CNRDD et du CNRD et non le chef d'état-major, encore moins le haut commandement de la gendarmerie. Selou Dalein Diallo est le président d'un parti politique. Lansana Kouyaté est président d'un parti politique. Faye Amilimono, ainsi de suite. Les amis, je crois que on doit être capable de dire la vérité. On a longtemps reproché à tous ceux qui ont travaillé dans l'administration, que ce soit ministre ou premier ministre, de n'avoir pas dit la vérité en temps. C'est-à-dire que, au moment que c'était chaud, au moment que c'était compliqué, au moment que le peuple avait besoin de savoir exactement ce qui se passait, ils n'ont pas accepté de dire la vérité en ce moment. D'accord? Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Je dis ce que je dis, n'engage que moi. Je ne peux pas faire l'unanimité. Vous pouvez accepter ce que je dis et vous ne pouvez pas aussi accepter. Vous n'êtes pas forcé d'accepter ce que moi je dis. Vous n'êtes pas obligé, personne n'est acculé d'accepter ce que je suis en train de dire. Que ça soit mes argumentations ou ma manière de m'exprimer, vous n'êtes pas acculé d'accepter ce que moi je dis. Ce que je dis ne concerne, n'engage que moi. Parce que vous ne pouvez pas me dire que tous ces gens qui sont allés hier, que le plus bête parmi eux, c'est M. Telianon et M. Makanera. Oui, vous ne pouvez pas me dire cela. Vous ne pouvez pas me dire que tous ceux qui sont allés hier, que ceux qui ne comprennent pas le français, ceux qui ne comprennent pas effectivement ce langage-là, c'est M. Makanera et M. Telianon. Vous ne pouvez pas me dire cela. Vous ne pouvez pas aussi me dire que au moment que le chef d'état-major, M. Saliba Koulibaly, au moment qu'il s'exprimait, que M. Telianon ou M. Makanera, ils avaient le métal dans l'oreille. Vous ne pouvez pas me dire cela. Nous avons envie de bien faire les choses. Nous avons envie que les choses changent en Guinée. Je ne vois pas pour quel intérêt un acteur politique va mentir. Et il sait effectivement que s'il ment, il sera convoqué par l'armée pour dire ce que tu es allé dire là, ce que tu es allé dire là. Est-ce que c'est ce que nous avons dit? Il ne va pas accepter de se mettre en danger. Parce qu'un monsieur, comme monsieur Telianon, il sait pertinemment qu'il n'a pas droit à mentir. Ça, il le sait. Surtout en ce qui concerne une rencontre entre acteurs politiques et l'autorité en place, les militaires. C'est la question que moi je me pose. En disant quelque chose qui n'a pas été dit entre eux, il gagne quoi dedans? Il gagne quoi dedans? Et il est aussi conscient de ce qui peut se passer après. Parce que M. Saliba peut effectivement porter plainte contre lui.
pour dire, mais vous avez déformé mes propos. Ce que vous avez dit, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas quand même une petite affaire. C'est entre un chef d'état-major et un président de parti politique. Et je crois d'ailleurs que si les autres acceptent, ou si les autres acceptaient de témoigner et de dire la vérité, parce que ce sont les témoins. Selou Dalé est témoin de ce qui a été dit. Sidya Touré est témoin de ce qui a été dit. Lansana Kouyaté, Makanera, Faya Milimono, ils sont tous témoins. Makalé, ils sont tous témoins de ce qui a été dit. Alors, je souhaiterais entendre Selou Dalé Njalo, je souhaiterais entendre Lansana Kouyaté ou même M. Sidya Touré pour dire ce qu'ils ont dit. C'est faux. C'est pas ce que M. Saliba, le chef d'état-major, a dit. On n'a pas été intimidé. Je souhaiterais que quelqu'un que vous appelez crédible, parce que de toutes les façons, nous savons que Selou Dalé est crédible. Nous savons que M. Lansana Kouyaté ou M. Sidya Touré, ça c'est des gens qui sont crédibles. D'accord. Alors qu'ils nous disent, écoutez, ce que Telianou a dit, c'est faux. Mais jusqu'à preuve contraire alors. Parce que moi, quand j'écoute le monsieur, je me dis, je l'ai écouté. Oui, j'ai écouté son interview. Je me dis, non, il ne peut pas s'amuser à mentir. De la sorte. Alors, qu'on le veuille ou pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais comme c'est les acteurs politiques, ça ne dit pas grande chose aux gens. Les gens s'en foutent. Ils disent, ben, c'est les politiques, c'est bien fait pour eux. Oui, j'ai entendu des gens parler comme ça. J'ai vu des gens faire des posts comme ça, en disant, ben, c'est les hommes politiques, on s'en fout, vive le CNRD. On s'en fout qu'ils dégagent tous. Tous ces gens-là qu'ils dégagent, ils nous fatiguent. Ils oublient que la transition, c'est purement politique. Ils oublient que sans ces acteurs politiques, la Guinée ne peut pas aller de l'avant. Ils oublient que sans la bonne volonté de ces acteurs politiques, la Guinée ne peut pas aller de l'avant. Quelle que soit la volonté de monsieur, du colonel Mamadi Doumbouya, sans effectivement l'accompagnement de ces acteurs politiques, la Guinée ne peut pas sortir de ce trou. Il faut que vous compreniez cela une fois pour toutes. Parce que ces gens qui sont là, à commencer par Selou Dalé Njalo, Lansana Kouyaté, les Sidya Touré. Mais écoutez, même si nous, on les sous-estime, même si nous, on les combat, mais ce sont ces gens-là qui font la transition en Guinée. Quand le chef d'état-major dit, on ne va pas accepter une autre pagaille, moi je me dis, avant de dire, on ne va pas accepter une autre pagaille, est-ce que vous avez déjà accepté une pagaille? Parce que quand vous dites une autre, ça veut dire que vous avez déjà accepté une autre. Vous avez accepté une première. C'est le français. Excusez-moi, monsieur, bonjour. Oui. Ça va, Ali? Oui, ça va. C'est vous, je vous vois au télé. Oui, juste une minute là. D'accord. Après, je vous reviens. D'accord. Merci, ah ouais. À vous. Je regarde votre vidéo. Ah ouais. Merci à vous. Okay. Ça fait 2 ans que je regarde. Ok, ok. Je vous reviens là. D'accord. Je vous reviens. Okay. Ouais. Alors les amis, ça c'est une chose exceptionnelle. Là, je suis en train de faire mon émission. Il y a un fan qui vient de m'interrompre là. Il vient de me saluer, Monsieur Kanté. Vous l'avez déjà entendu. Est-ce que c'est vous que je vois? Je vois tous les jours. Ça fait 2 ans que je vous suis. Donc, c'est pour vous dire une fois de plus que nous, il est difficile pour nous maintenant de nous cacher. Très difficile pour nous. Il est là, il m'attend quand même. Bon, c'est un fan. Écoutez, on est habitué. À chaque fois que je sors, c'est la même chose. Alors, les amis, il faut qu'on soit d'accord. Et il faut créer un cadre de dialogue entre les acteurs politiques et le gouvernement en place. Je crois que c'est la meilleure des solutions. Parce que monsieur le chef d'état-major, l'armée, colonel Mamadi Doumbouya, ils vont beau intimider, ils vont beau convoquer les acteurs politiques. Un jour viendra où c'est le peuple lui-même
qui va demander à ses acteurs politiques de faire quelque chose, soit de demander la manifestation de rue ou de sortir. Moi, je suis en train de vous dire la vérité. Je ne vais pas vous mentir. Il faut créer un cadre de dialogue entre les acteurs politiques et le CNRD. C'est très important. Parce que vous avez beau intimider les gens, un jour viendra quand même. Mais ils vont oser. Ça, c'est clair et net. Ils vont oser. C'est ce qu'on dit en Soussou que Inugaru Mato, Kataira Sousa Famato. Et ça, on ne veut pas que ça arrive. On ne veut pas que ça arrive. Ça ne sert à rien d'appeler les acteurs politiques et d'aller lancer des ultimatums. Ça ne sert absolument à rien. Monsieur le chef d'état-major, monsieur Sadiba Koulibaly, vous n'êtes pas politicien. Arrêtez de faire la politique. Ça, c'est de la politique pure. Parce que moi, je ne vois pas le but. Je ne vois pas le but qu'on les appelle pour dire cela. Je ne vois pas même le but de leur rencontre. Ne prenez pas des gens pour des gamins. Oui, ces acteurs politiques, il ne faut pas les prendre pour des gamins. Ne les prenez pas comme des personnes qui n'ont aucune importance. Oui. La Guinée, c'est pour nous tous. Vous êtes des militaires, simples militaires. Vous devez comprendre cela. Vous êtes nos frères. Personne ne va effrayer personne en Guinée. Personne ne va intimider personne en Guinée. Ça, c'est sûr. Mettez ça dans votre tête. Vous avez les Kalachnikovs, tout ça là. Vous avez des moyens vous avez des moyens, effectivement, de disperser les manifestations, tout ça là. Mais il faut comprendre que ça ne va pas marcher. Soit vous faites bien les choses, on avance, soit, ben écoutez, vous continuez vos actes d'intimidation et vos politiques militaires, et le peuple se révolte. Ça, c'est clair et net. Il faut que vous compreniez. La transition, c'est purement politique. Si vous voulez travailler, si vous voulez bien faire les choses, comprenez qu'il y a nécessité de créer un cadre de dialogue pour faciliter les choses. C'est une vérité absolue que je vous dis là. Parce que ce qui s'est passé hier là, c'est une manière d'opposer les acteurs politiques, les uns aux autres. Mais vous allez beau essayer de le faire, vous allez beau continuer de le faire, ça va s'arrêter, ça prendra fin. Tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est éphémère. Oui, c'est éphémère. Le pouvoir éphémère. C'est comme ça qu'on est parti doucement, doucement avec Alpha Condé. Il n'a pas compris. Et à la fin de son régime, il a pris conscience. Donc, faites très attention. Créez un cadre de dialogue entre vous et les acteurs politiques. Évitez de répéter, parce que moi j'appelle ça erreur. La convocation d'hier, là, c'est une erreur. Oui, si vous pensez que c'est à cause des domaines que vous êtes en train de récupérer que les acteurs politiques vont demander la manifestation dans la rue, non, ce n'est pas à cause des domaines. Les manifestations dans les rues ou l'appel que les acteurs politiques feront afin de mobiliser le peuple pour vous combattre, ça sera pour autre chose. Ça ne sera pas pour la récupération des domaines de l'État. Oui. Ça sera pour autre chose. Donc, moi, je vous dis cette vérité parce que je suis soucieux de l'avenir de la République de Guinée. Je vous dis tout cela parce que il faut que je vous dise pour que demain ou après-demain, si ça va, qu'on dise oui, M. Kanté, il a quand même parlé. Nous voulons que vous réussissiez. Et les acteurs politiques, ils ont la bonne volonté de vous accompagner. Mais l'humiliation, l'intimidation, la peur, ça ne passera pas. Et c'est là, je dis au colonel Mamadi Doumbouya de prendre ses responsabilités. Parce que si ça va,
C'est de lui que tout le monde parlera. Mais si ça tourne autrement, c'est lui que tout le monde va accuser. Colonel Sadiba Koulibaly, chef d'état-major. Mais qui l'a nommé chef d'état-major? C'est le colonel Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir. La convocation des acteurs politiques, là, c'est la décision du chef d'état-major et du haut commandement de la gendarmerie, ou bien c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui a donné l'ordre. Parce qu'on dit que l'armée, c'est l'hiérarchie, l'armée, c'est l'ordre. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça un seul jour, vous convoquer des acteurs politiques respectueux, respectables à la République de Guinée, et puis vous allez leur parler d'une certaine manière. C'est inadmissible. Je suis contre cette manière de faire les choses. Oui. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous qui me regardez, ça m'est égal. Je suis contre cette manière. Après tout, c'est des pères de famille. Après tout, c'est l'élite guinéenne. Après tout, ce sont des responsables. Après tout, ce sont des gens qui ont aussi dirigé, qui ont occupé des postes importants dans l'administration guinéenne. Quoi qu'on dise d'eux, ils ont quand même mouillé pour la Guinée. Il faut qu'on mentionne cela. Même si oui, toutes les gouvernances n'ont pas été à la hauteur des aspirations du peuple, oui, mais ils ont quand même fait quelque chose pour la Guinée. On ne va pas accepter que les militaires les humilient. Non, ça ne marche pas. On ne va pas accepter que les militaires les intimident. Non, nous allons dénoncer cela. Nous voulons le bien de la Guinée, tout le monde. Je ne vois pas un Guinéen qui ne veut pas le bien de la Guinée. Je ne vois pas. À moins que ceux qui, par jalousie ou par haine, du fait qu'on ait délogé Alpha Condé, combattent aujourd'hui le régime militaire en place, je ne parle pas d'eux, mais ça c'est la haine, effectivement. Parce que voilà, eux, c'est à partir de là, eux, ils gagnaient des miettes, ils gagnaient de l'argent. Ça c'est la haine. Mais je ne vois pas un Guinéen qui ne veut pas le bonheur de la Guinée. Je ne vois pas. Même le fou en Guinée, il veut le bonheur de la Guinée. Parce que si ça va en Guinée, lui, il trouvera à manger, il sera bien entretenu. Voilà. Donc, les amis, je ne vais pas durer avec vous. Je vais vous laisser là. Et puis, on reste cool.